surprise, motherfucker. Salut tout le monde, c'est Toto, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je suis cette fois-ci en compagnie de Nathan, alias Extreme Roxer et de Simpy que vous connaissez déjà. Salut. Donc nous avons de très beaux skins, j'ai envie de dire. C'est... Toi, tu as dû payer cher ton skin. Donc nous sommes sur la map Forgot au fond d'un puits. Donc je mettrai le... Bon, vous verrez le nom de toute façon, vous êtes pas con, si vous avez cliqué, c'est que vous avez vu le titre, donc moi je m'en souviens plus, mais bon. Et donc l'histoire de cette map, donc je l'ai eu sur là où je l'ai pris, donc Minecraft.fr. C'est genre on est amnésique et on se réveille dans la cale d'un bateau, et du coup, bah je sais pas, faut explorer. Et donc tout à l'heure, toi tu m'as dit que Nathan, que t'avais trouvé l'histoire de la map. Bah tu vas me montrer où c'est parce que moi j'ai pas trouvé, du coup j'ai... Donc là on découvre la map. Simpy, j'ai donc échoué... Ah bah d'accord, c'est Simpy qui nous raconte son histoire apparemment. J'ai donc échoué sur une île. Donc la map est faite grâce au bloc de commande, donc ce qui permet de faire des scripts nous-mêmes. Enfin, nous-mêmes, je parle des créateurs des maps. C'est ça, en place qu'ils disent eux, bah c'est pas eux qui le marquent, c'est les commandes blocs. Donc c'est vraiment assez bien fait. En clair, c'est en fait, normalement c'est une map solo, mais en multijoueur du coup... Oh, c'est un canon. En multijoueur, en fait, ce qu'on dit en solo, c'est des partagés entre les différents joueurs. Et je vois qu'apparemment, moi, j'ai pas le droit de parler. Enfin bref, on va faire l'histoire. J'aperçois une cabane dans les arbres, je ferais mieux d'y jeter un coup d'œil. Ils disent qu'on doit aller dans cette cabane. Fais gaffe, il y a des creepers. Ouais, par contre, il y a des creepers, donc je sais pas si c'est normal. Alors, dans la cabane... Attends, vous savez que t'as trouvé les règles, par contre, histoire de voir un peu les... Oh merde. Oh là là, ce troll, je te l'envoie en plein sur la gueule. Attends, viens, on va juste chercher les règles parce que du coup, j'ai pas réglé les paramètres s'il fallait mettre en peaceful ou pas le serveur. Non, faut. Enfin, je sais pas. Ah, oh, troisième rod. Voilà. Et aussi, il y a une quête secondaire, c'est de prendre les 64 émeraudes qu'il y a sur tout le truc. Alors, moi, j'en ai déjà deux là et j'ai récupéré du pain aussi. Prends des. Ouais, moi, j'ai du pain, une épée, un peu d'armure en cuir. Là, il y a des poules. Est-ce que vous pouvez me donner du pain, de la nourriture, vu que j'ai pratiquement plus d'âme? Là, il vient d'arriver, le mec, déjà, il a plus rien. Et oui. Putain, là, par contre, il y a un trou. On sent... Oh, j'ai donc... Ah, c'est moi qui parle. Putain, c'est quoi toutes ces poules? Ah, c'est pile à des bottes. Non, c'est pour faire de la nourriture. Règle du jeu. Ah, mais voilà, attendez. Vas-y, entre, au cas où c'était bloqué. Oh, il y a tout plein de trucs. Il y a du seed, du pain, du wheat et mon journal by air. Alors, n'y va pas, Nathan, parce qu'après on est bloqué. Vas-y, reste là. Attends, alors les enfants, je vais vous faire un peu de lecture. Bienvenue, merci de jouer à cette carte aventure, carte créée par Erk. Il s'agit ici d'énigmes et de plateformes. La règle ici est que seuls les blocs trouvés dans des coffres peuvent être posés, cassés ou craftés. Vous pouvez aussi jouer pour le score, ainsi vous trouverez des émeraudes disséminées dans la carte qui détermineront vos points. Merci et bon jeu, Erk. Et là, Brand, il y avait un truc, mon journal. Et tape-moi pas, j'ai plus qu'un cœur. S'il vous plaît. C'est B. Ouais. C'est B. Laisse-moi le poulet, s'il te plaît, vu que j'ai plus de nourriture. Donc attendez, je vous lis mon journal. Juillet 1837, soif, j'ai si soif, cela fait longtemps que je suis là. J'ai l'impression que l'on m'a oublié, qu'il n'y a plus personne. J'ai entendu un bruit fracassant et j'ai vu la coque se percer depuis ma cellule. Nous avons heurté un récif. Je ne sais pas où nous sommes arrivés. C'est comme si tout le monde avait subitement quitté le navire. J'ai si soif, oui bon, il a soif. Je suis captif depuis des mois, depuis que ces satanés pirates m'ont fait prisonner alors que je pissais sur mon rafio de fortune. Des mois sans ma famille, des mois loin de mon village. Seul, enfermé dans cette cave, avec pour unique compagnie des volailles qui ont retrouvé leur liberté dans l'accident. À la soif, bientôt s'ajoutait la faim. Il ne me reste rien sinon une vieille miche de pain. Oh là là, ça c'est de la poésie. Rassis. Bon, j'enlève le mot rassis. Si seulement un poulet s'approchait des barreaux, je pourrais y ajouter de la viande. Donc ben là, apparemment, il était enfermé là-dedans, là. Dans ce truc. Et les poulets qui ont été libérés, il a dû les bouffer, je pense. Et là, il y a un putain de truc d'eau de merde qui m'empêche de passer. Vous êtes où, vous, un peu? Il me faut un peu de nourriture, sinon je vais mourir dans 3 secondes là. Bah vas-y, viens, je te donne un bout de pain. Déjà? Je te donne un bout de pain, espèce de petit... Tiens, voilà. Espèce de petit SDF. Je viens de recevoir deuxième road. Deuxième road, bah on en a déjà 5 sur 64. Vas-y, venez sur l'île de Lost un peu. Alors, la jolie île... Je trouve de la nourriture surtout. Attends, juste voir si je peux pas. Parce que j'ai pas non plus un ordi... Ouais bon, bah, mais je vais rester en Tunis, ça lag beaucoup moins. Simpy, on t'attend. Alors, faut aller où? Bon, j'ai un œuf aussi, on sait jamais. Oh les gars, faut pas que je le rechauffe un coup, sinon je suis mort. Y'a des moutons qui volent. Les chauves-souris, genre. On va suivre le chemin, hein.
Oh, il y a des torches et tout. Je mets une. Ouais, ça va, c'est bien fait. Le bateau, plus, c'était pas mal. Il était pas mal. Oh, petite barrière. Hop là. Non, c'est dommage qu'il n'y ait pas de pain. Ah, bah, il y a du. Ah, bah, il y a du pain. Et du... Ah, passe-moi du pain. Tu veux du pain, tiens. Tiens. On a, j'ai aussi du poulet, mais bon, faudrait le faire. Oh, tu les as repris. Voilà. Encore un émeraude. Ah, là, il y a une sauvegarde. Il y a une sauvegarde. Tu me les as repris, Toto. Pourquoi là, il y a encore un journal. Ah, oui, le pain, tiens. Moi aussi là je suis pas... Attends, je vais manger un pain parce que... De quoi il y a une sauvegarde, c'est-à-dire... Ouais, au-dessus. Là. Ouais, sauvegarde, bon, vas-y, clique. On va cliquer, et là, il y a un livre pour toi, lire encore. You can sleep only at night. Il y a des trucs dans les... Bah attends, je le lis si vous voulez. De quoi le... Qu'est-ce que tu lis? Le livre. Vas-y, je t'en prie, lis-nous. Journal de Théodore Finkel, octobre 1753, je crois. Je me suis réveillé sur cette place sans aucun souvenir de ce qui... Place. Bah, jusqu'ici. Quand j'ai repris connaissance, elle était là, devant moi, magnifique et effrayante. Je n'ai aucune idée de ce que sont ces statues. J'ai peur. Elle ne m'évoque rien de semblable. Elle ne ressemble à rien de tout ce qu'il m'a été donné de voir jusqu'à aujourd'hui. Je me retrouve là totalement seul et je n'ai que ce journal pour me tenir compagnie. Troisième jour, j'ai fait le tour de l'île. Elle n'est pas très grande. Je suis resté les deux premiers jours sous une sorte d'arche rocheuse naturelle. Il n'y a personne ici, pas une âme. Je crois bien qu'il est temps de me construire un abri. 22e jour, j'ai enfin achevé la construction de mon abri. Je me suis installé au sommet d'un arbre. Ici, la nuisance des insectes se fait plus rare et je m'y sens plus en sécurité. 33e jour. J'ai commencé à creuser une mine depuis une faille découverte sous l'arche pendant les premiers jours. Attends. Attends, il y a eu marqué quoi là? Quoi? Là, tu t'as dit il a trouvé une mine. Donc, faut trouver sa mine. Et donc, faut y aller dedans. Si la map s'appelle tomber dans un trou, enfin perdu au fond d'un trou, je pense que c'est pas pour rien. Et si le mec dit qu'il a une mine. Bah, c'est et pas attends, faut lire jusqu'au bout. Ah bah vas-y. Moi je veux trouver la mine, c'est tout. Je me la joue en mode truc des experts, tu sais. Nous devons aller dans cette mine. Vas-y, je t'en prie, continue. J'arrive, mes amis. T'es pas censé continuer la lecture. Ah, je dois continuer. Bah ouais, tu m'as dit que tu voulais finir. Bah vas-y, je t'en prie, finis. Alors, j'ai commencé. Bah, je fais comment, moi 49e jour. Je suis arrivé sur une starte de roche extrêmement dure. Mes mains me font terriblement mal. 64e jour, j'ai enfin percé cette satanée couche de roche et je suis arrivé dans une grotte naturelle. Donc là, il a une pioche en bois à peu près. J'ai commencé la construction d'un rail pour pouvoir progresser plus rapidement au fond de la mine grâce à un wagon. Donc ça, c'est je dois me méfier, cette caverne a l'air friable et je crains les éboulements. Mais ce qui m'intrigue est la découverte d'une statue semblable à celle sur de la plage conduite si profond sous terre et sans aucun accès. Je dois continuer à couper du bois pour étayer les parois et pouvoir étudier cette idole l'esprit tranquille. T'as fini? Ouais. Alors bon, c'est dire qu'on doit. Je pense qu'il faut. C'est dire qu'on doit trouver une mine. Ouais. Ouais, donc... bah en fait faut déjà un petit coup, couper du bois, se construire des pioches pour en partir. Ouais, mais non, mais je sais pas si on a le droit justement de se construire des. Attends, parce que non, regarde. Non, je crois pas. Règle ah ouais, en fait, il dit la règle ici est que seuls les blocs trouvés dans des coffres peuvent être posés, cassés ou craftés. Seulement ceux qu'on trouve dans des coffres. Oui. Donc on a le droit de prendre du bois sur les arbres. Attends, bah il a dit qu'il y avait un truc avec les statues, donc il y avait... De toute façon, c'est une map énigme, donc il y avait une énigme. Ah ouais, les statues. Alors, les statues. Les statues, comment qu'elles vont, les statues? Alors. Ah, je crois que j'ai trouvé quelque chose, là. Ouais, on dirait que les statues, elles ont des nez, on dirait des visages, tu sais, regarde. Là, c'est les oreilles, là, les yeux, et... Ouais, on dirait des visages, et là, c'est la bouche. Et genre, à mon avis, il faut leur mettre des trucs dans la bouche. Non, après, je sais pas. Bon, déjà, on sait que ça représente des visages. Enfin, à peu près. Ou alors une bite. Tu sais que t'es en commentaire. Oh, c'est ici qu'ils ont trouvé. Donc ah, ouais, c'est bon, c'est ah bah, j'ai bon, et puis là, il y a une mine. Oh, ah, ouais, c'est bon. Ouais, c'est l'obsidienne, super. Ah, j'aime bien le mec qui se fait une mine avec quand même une porte. Ah, non. Oh, putain, mais si moi je faisais des mines comme ça, moi, mes mines elles sont toutes moches. C'est juste de la stone et tout de partout. Lui là, oh, putain, mais eh, c'est beau, hein. Ça doit être la roche dure d'en parler. Mec, hein. Putain, mais le mec il a passé toute sa vie à miner de l'obsidienne quoi. Un gros no life. Trop. Un gros no life s'il te plaît.
Ah, ça va. Cet éboulement a dû avoir raison de ce bon vieux. Il y a un coffre, il y a rien dedans. Donc c'est dire que là-dessous, il y a un mec qui est... Ok, oui. C'est sa tête. Ok, on se casse. Non. Pourquoi il y avait un seul minecart, s'il te plaît? Je sais pas. Ah non, c'est bon, il y en a qui tombent apparemment, je crois. Je viens de ramasser un qui est tombé du ciel. De quoi? De minecart. Ah ouais, des wagons. Il y en a qui est tombé du ciel, regarde. Ouais. Oh bah tu le ramèneras pour faire chacun son tour. Ouais, je te le renverrai. Ouais mais quoi. Ok. Pourquoi j'entends comme un creeper? Ah, il y a des trucs qui tombent. Ah bah je suis blown up by Simpy. Qu'est-ce que t'as foutu? Attends. Pourquoi tu l'as tué? Hein? C'est vraiment? Pourquoi? Oh, pourquoi c'est quoi? C'est moi, j'ai rien fait. Bon, on va dire qu'on autorise les TP. A toi l'honneur, Toto. D'accord. Je suis ton fils Spartiate. Alors, TP. Vous n'avez rien vu? Non, mais c'est bon, je le fais. Bah, vas-y, je t'en prie. Mais la problème. Ah ouais, mais en fait, d'accord. Ah ouais, regarde, on peut pas y aller en fait à pied parce qu'ils ont mis. Il a mis de la sous-sand. Attention, poussez-vous. Sinon, je peux pas. Voilà. Allez, pousse-moi, maman. Ouais. C'est trop bien. Oh putain. Encore. Il y a un creeper. Mais non, mais au fond, c'est bon, là, il y a plus de... Putain, mais il a tout pété. J'ai peur, là. C'est bon, je suis reparti, les pas. C'est qui m'a envoyé un... Connard. Ah, un wagon. Il m'a envoyé un minecart. C'est bon. Non, ah, oups, je suis parti dans l'autre sens. Ouais. Bon, les gens, il y a un trou. Faites gaffe au trou. Parce qu'il y a la statue. Moi, je me suis dit, bon, bah, je vais aller. Ah, je suis dans le trou. Toi aussi, je vais dans le trou. Vas-y. Oh, tu peux m'exploser. C'est joli. En fait, j'ai pas compris comment m'en aller du trou, quoi. Il y a une sauvegarde. Hein. Je vais aller du wagon. Ah, j'ai une épée. Tiens, si tu veux une épée extrêmement courte. Attends, c'est quand ça compte. Mais moi, en fait, je monte. Tu fais le shift. Tu fais shift, mec, bouge. Mais t'es nul. Sur la nouvelle version de Minecraft, faut faire shift, mec, pour sortir des véhicules. Ah bon? Ouais. De toute façon, il y avait rien. Sauvegarder, là, il y a un truc pour sauvegarder. Qui veut une épée en bois? Parce que moi, j'en ai une en roche. Moi, je veux bien, j'en ai pas. Tiens. Parce que normalement, j'ai une map solo, donc voilà, quand on a 3. Comment on doit être dans l'eau là? Attendez, j'entends un zombie là à gauche. Faire des jumps de tout le monde. Bah, des jumps où? Tu veux jump là-bas? Ouais. Ok, j'avais oublié que j'étais nul en jump. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais what? Ouais, non, mais en fait, t'arrêtes. Pourtant, on est au bout de France, hein. Casse-toi. On est en vidéo. Donc, nous avons un invité spécial. Tu peux. Ah, il y a sûrement une ouais, on lui avait pas dit, franchement, moi je crois qu'il. Voilà. Magnifique orthographe. Au pire, dis-lui que. Mais regarde, là-bas, on dirait qu'il y a du. Y a pas un petit truc là, une petite plateforme pour. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Après, je dis peut-être des conneries. Sûrement, peut-être même. Voilà. Un truc dans l'eau. Donc Gamor Quentin qu'il y avait déjà paru sur une vidéo. Ouais mais là parce que regarde là en fait non là ça fait qu'un bloc et nous en fait notre personnage mesure bah attends, deux blocs. Je vais... Au pire faut aller peut-être chercher par là. Attends vas-y va chercher par là-bas, moi je cherche sous l'eau, on sait jamais. S'il y a pas un petit passage secret de Spartiate pour moi et Simpy. Là y'a pas un truc là. Non, j'ai rêvé, c'est tout. Non mais franchement je vois pas là. Attendez, je peux manger, s'il vous plaît. Voilà, il manquait un peu de nourriture. Je vois pas du tout, là. Déjà, on peut pas remonter, donc ça veut dire qu'il y a bien un truc à faire. Ah ben oui, ouais, regarde. Mais il y a sûrement ça. Attends, faire, hein. je veux pas paraître l'air con, mais ya. Ok, d'accord. Non, mais je c'est l'air con. Il doit bien avoir un truc à faire quand même. Oh. Oh. Quoi? Oh. Ah ouais, non mais. Oh. Tu vas pas aller très très loin avant ça. Attends mais là il y a pas des là il y a des blocs de pierre, regarde. On a pas le droit de miner donc ça va être dur. Il y a pas des. Mais t'es pas sûr des... Ouais, on a pas le droit de miner gars. On a droit de que de crafter avec les objets qu'on nous donne. Oui mais on les craft pas là, on les mine. Mais non mais oh Simpy, on a pas le droit Simpy. C'est pas autorisé. Il y a pas le moyen de faire un gros jump là. Non, en fait. Ouais. Bon. Ah, non, mais on s'est encore gouré quelque part. J'ai trouvé un truc. Regardez, j'ai trouvé quelque chose. Il a trouvé quoi, lui? Juste me mettre au fond d'un truc. Et quand on est là, en fait, on est censé faire quoi? Parce que... Si vraiment on met trop longtemps à trouver, bah, je pense qu'on... Je ferai une ellipse, parce que là...
Attends, c'est une map énigme. Il doit y avoir une énigme. Il doit y avoir un truc à trouver. Oh. Oh, il y a un coffre secret ici. Lequel? Il y a un casque en fer et 5 émeraudes. Hein? Bah, quand je dis que c'était un spartiate, t'as pris les émeraudes? Ah oui. Ah, là aussi, il y a un petit truc là. Ah, mais voilà, quand on cherche, on peut. Ah non, la source d'eau, il y a rien. Non, source d'eau, il y a que dalle. Et là-bas? Ah, ce con, il y a un casque en fer! Et t'avais pas, tu vois, Sibu, t'avais pas des bottes et un casque en cuir? Ouais, j'avais un casque en cuir. Et tu l'as encore? Bah, ah, donne-le à Nathan alors, parce que lui, il en a pas. Ah oui. Bon, on a pas entendu, j'espère. Donc attends, si Simpy est capable de trouver un passage secret, moi aussi. Donc, faut chercher. En fait, le truc sur Minecraft, c'est que vu que c'est tout le temps la même texture, par exemple, avec l'obsidienne, et ben... Je sais pas, tu les vois pas, les passages, toi, que tu cherches, mais... Oh. Non, ouais, on entend... Il y a des zombies dans l'eau. Non, il y a des zombies dans l'autre, de l'autre côté. Ah non, d'accord, j'ai dit, c'est dans l'eau. Oh, ah, il y a un bouton secret, là. Ça. Mais ouais. Oh. Il y a un bouton secret, mec. Là, oh. Regarde, je me demandais c'est quoi cette texture, et puis regarde, je m'amuse à mettre mon... Vas-y, appuie. Oh, le zombie. Faites gaffe aux zombies. Désolé. Ma mère qui interrompt mes vidéos, là-bas. Regarde, au fond, il y a un truc, et dès que tu l'actives, ça fait ça. Ok, Romain. Ah oh, ouais, d'accord. Que tu peux l'activer dès que je suis dedans. Oui. Tu l'actives, tu cours, d'accord. Yeah. Ah, bon, on fait chacun son tour, là, je crois. Vas-y, attends, qui c'est qui appuie et que j'y passe? C'est qui le pro? Dis-moi, je te dis top, c'est bien. Non, t'inquiète. Je te dis top. 3, 2, 1, top. Je te dis mid. Et je lui dis top, et... Attends, vas-y, c'est t'es prêt? Vas-y, active. Ah, vas-y. Ah. Oh, Spartiate. Oh, regardez, on peut dire appuie. Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas poser mon rail. Ah, bien joué. Bon, bah, Simpy, attends, toi, c'est en mode Spartiate. One, Simpy, one. Oh, bien joué. Merde. J'ai fait un 360. Je voulais faire un 180 comme le con, j'ai fait un 360. Oh, y'a un coffre caché ici. Botte en cuir, émeraude, pain. Oh, okay. Vas-y, moi je reste en cuir alors. Ah, le pain non, partagé non. Hop, ok. Oh non, y'a zombie, sérieux. T'es sérieux là? Bon alors. Ah, mais c'est chier, mais je l'ai. Je vois que c'est un peu profond et tout, je me dis, bah attends, c'est pas les mêmes roches, il doit y avoir un truc. Et puis... Eh, attends, il est parti où, lui? Ah, bah, je trouve la sortie. Attends, nous dis pas, on va bien trouver. Ah, bah oui. Ah, bah oui, c'est sous l'eau. Ah non. C'était un peu bidon pour moi. Nous dis pas, franchement. Faut pas qu'on se donne les réponses. Ah, merde, d'accord, je suis tombé dans l'eau tout à l'heure. Okay, d'accord, j'ai fait un troisième fail. Ah, y'a un creeper. Hop, ok. Je suis retombé. C'est vraiment la sortie. Putain. Eh, mais comme un con, je suis retombé dans l'eau du truc de Spartiate là. C'est... Oh putain! Pourquoi ça fait boum? Tu fais exploser un squelette. Ça fait exploser un squelette. Les squelettes, c'est comme les creepers maintenant. Voilà. Ça explose. Donc attends, Simpy, t'es à la sortie donc. Parce que Simpy, ouais. Je sais pas, je regarde et tout. Et je vois un pseudo à travers, tu sais. Oh! Bah dis donc. T'as trouvé un passage toi? Ah non, j'ai rien dit. Attends, t'es passé par là-bas. Qu'est-ce que... Pas du tout. T'es passé par là-bas. Mais... Ah, comment t'as fait ça? Plouf. Je l'ai trouvé. Ah, peut-être là, non? Là, il y a de la lave. Faut se mettre dans la lave, non? Il y a un trou après. Vas-y, tombe, Simpy, tombe. Non, mais attends. Non, ne montre pas, franchement. Ce serait gâcher l'aventure. Il doit y avoir un bouton par ouais, tous les coups doit y avoir un bouton quelque part. Comme... Non, même pas. Un truc dans le corps, là, visible. Ah ouais, peut-être. T'as trouvé, toi, en plus. Oui. Ok, bon. Ah, je vois ton pseudo. Mais comment? Mais vous êtes où? Non, Simpy, vas-y pas, Simpy. Non, Simpy. Eh? Ah, merci, mon ami Simpy. Bon, ça fait un point en moins pour moi, puisque ça compte pas. Parce qu'il m'a donné la réponse. Bon, donc du coup je suis passé à 0. Oh, ici normalement il y a un truc qui s'ouvre vu qu'il y a une mine en dessous. Ah ouais, bah ouais, faut trouver un bouton. On va, faut chercher un bouton. Faut chercher un interrupteur. Il y a un levier en haut, il y a un levier. Où ça?
Ah ouais. Ah mais faut remonter. Ici, il y a une grosse. Ah oui, off, pas un off, petit, off. Il y a rien dans la grotte. Tu vois un levier toi. Je sais, oh. Ah si, il y a un levier mec, je trouve. Ah oui. Alors il y a pantalon. Peut-être remonter. Oh, attendez. Non, non. Putain. tu vas te faire tout. Ah super, oh, tout spartiate. Voilà. Non, c'est pas ici. Ici, il doit bien avoir. Ah ben non, il y a de l'obsidienne là. Bon, je sais pas du tout à combien de temps j'en suis parce qu'il y avait frappe, je vois pas du tout à combien de secondes je rentre. Oh, on doit être vers les 20 minutes là. Bah, tu... Ah, je trouve un coffre. Et il y a rien dedans. Non mais j'ai déjà tout pris. Je veux dire que tu trouves des coffres. Putain là là, les j'ai dit, des hein. trucs qui me saoulent. Oh, c'est la pigaine là. Voilà, j'ai pas mon seul et unique. Ah là il y a une grotte aussi, regardez. Ah oui c'est la grotte par laquelle on arrive. Donc là je fais gaffe au trou. C'est pas un petit truc là. Ah ça fait 2 points pour moi. Dans moins 1, j'ai 1. Parce que c'est moi qui ai trouvé 2 solutions. Et hop le levier. Non moi j'ai trouvé. Vous avez ouvert la voie. Hein ah. Ah bah bien joué. Oh non, bien je joué, suis allé dans la lave. Oh je suis moins 1/2. Bon vous savez quoi, je pense qu'on va arrêter la vidéo maintenant parce qu'on doit bien en être à 20 minutes. Ah bah ouais regardez il y a un ouais, petit bah, mythe contre. On va arrêter la vidéo, on va la reprendre comme ça au moins ça me fera des petites vidéos comme ça. Donc vas-y venez devant l'eau là, on va faire un petit truc classe. Il y a un mythe Quentin, ouais, un mythe Quentin. Bah attends, sauvegarde, on mais non mais c'est la... on va la faire tous les trois la vidéo. Bon, nous on vous dit bah à la prochaine pour la partie 2. Et bah tchuss et bye bye et tout le reste. Hein. Les trucs au dag à penser. Hein.